Eh ben dis donc, vous êtes aussi détendu qu'un anus avant un lavement. Ben, Célestin, ils vont croire ce qu'on va leur raconter. C'est pas possible. Tu peux pas parler de préliminaire comme ça. Ça se fait pas, c'est déplacé. Bon, c'est vrai que les gens ont l'esprit mal tourné. Ils ont l'esprit mal placé. Faut le remettre en endroit. Il faut pas la faire à l'envers. Bon, tu lances le film? Allez, on y va. Nouvel employé. Mais ce contrat, madame, il consiste à quoi? Expliquez-moi. Vous allez aller me récupérer l'argent que me doit Don Salluste. Et je vous payerai au minimum syndical. Pardon? Au minimum syndical? Oui. Vous m'avez pris pour qui, madame? Et moyen syndical. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez faire vivre avec ça? Franchement, vous n'avez aucun pitié pour moi. Et en plus, vous allez chercher votre argent. Jamais! Comprenez? Jamais! Tenez, pour le déplacement. Ah, pour le déplacement, gardez votre argent. N'ai pas besoin. Jamais, madame. Vous comprenez? Jamais. Vous n'avez qu'à le voir toute seule, dans sa luce. Vous avez compris? C'est comme ça. Je m'en vais. Elle, c'est de la mauvaise graine. Dans son genre, c'est une.
elle se retrouvera toujours. La preuve en est. Nous sommes avec toi pour trinquer aux 500 000 dollars que tu me dois. D'accord ? Vous me faites mal dans sa liste. Je ne peux pas parler. T'avais qu'à jouer la bonne carte au bon moment. Je peux vous expliquer. Excusez-moi si je voulais faire l'envers. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu le coup de foudre, je suis tombé amoureux de l'infirmière sadique. Elle est partie avec les sous. Nous y voilà. Elle est partie avec les sous, pardon. T'as voulu jouer cavalier seul. Allez te faire dorer la pilule dans les îles, n'est-ce pas? Alors je vais être magnanime pour cette fois. Car vois-tu, au bout de cette canne, il y a un bouton juste à l'extrémité qui me permet de faire sortir une petite lame acérée qui dégage du poison. Alors je te suggère et je te conseille surtout d'obéir à mes nouvelles instructions. Et cette fois-ci, pas d'erreur. Sinon... Pas d'erreur, c'est le sieur. Pardon, excusez-moi de ça juste. N'abuse pas de ma gentillesse et de ma magnanimité. Je sais que vous êtes magnanime, oui. Oui, mais là, ça va un peu trop loin. Il me faut cet argent et très rapidement. Je ne peux pas faire autrement, j'ai des comptes à rendre. À moi-même, bien sûr. N'est-ce pas? Alors, si tu tiens à la vie, oui, fais ce qu'il faut. D'accord. Et très rapidement. Tu peux te relever maintenant. Je te donne carte blanche sur tout. Pas de pitié. Oui, Jean-Paul. Mais t'as des cours de cuisine au black. Ah bon? L'enculé. Ah, c'est vraiment l'enculé, je veux dire. En plus, c'est fait comme à la fois, il a fait nous empoisonner. Hein? Que des pâtes. De toute façon, que des pâtes. Hein. Ouais, mais t'as vu les pâtes que c'était? Ouais. C'était là. Et donc, c'est de la colle. Et chez toi, c'est du moitié. C'était de la colle. Après, tu refais le papier payé. Ah, quand j'ai mal, patron, tu prends notre cuisinier. Ne dis pas qu'il reprend Jean-Paul. Ou alors un maçon. Un maçon qui cuisine. Voilà. Vous pouvez faire du plâtre du mortier. Et Jean-Paul, il fera le plâtre. Voilà. Sans déconner, Jean-Paul est mis tombé. A une autre compagne. Il n'y a rien de meilleur. Nous, on est tranquille, patron. On sait que tes pâtes sont bonnes. Surtout quand on fait le plafond. Bon, allez. Je crois que c'est là, on est pour. Heureusement qu'on est là, patron. Ouais, ouais. Sans toi, hein. On serait perdu. C'est pour ça qu'on fait une équipe. Hein. T'as les meilleurs. Ouais. T'as les meilleurs. Ouais, les meilleurs. Et on va te retrouver, cette liasse. Elle est costaud. Elle est costaud. On craint des gueules, nous. On craint des gueules. Même coup à crever, patron. Mais on craint des gueules. Même pas une mouche. Pas la région, hein. La mouche, ça l'occupe. La mouche, elle fait. Nous, on fait. Et sans pitié. Comme il nous a appris, patron. Sans pitié pour les autres. Titi, tu feras équipe avec lui, hein. Avec qui? Ben, Jean-Paul, pardi. Vous pouvez choisir un autre gars que moi, hein. Franchement. Jean-Paul, avec moi. On va mourir. Sly, tu accompagnes Roger. Quoi? Roger? Je crois pas, non. Tu n'es pas en position de négocier, hein. En parlant de position, il faut que tu me retrouves, dard. Donc salut. Celui qui me la ramène, il aura une bonne prime. Ah, tu m'intéresses, patron. Là, c'est une bonne nouvelle, patron. On peut avoir une avance? Moi aussi. Négatif. Allez, une petite avance. Hé, on te la ramène, mais bon, il faut une petite avance, non? Quel radin, patron, votre vraiment radin, hein. Moi, radin? Oui, radin, moi. Pour une avance. Ramène-moi le et puis après on verra. D'accord, pas de problème.
Est-ce qu'elle est longue cette journée, mais qu'est-ce qu'elle est longue? Assis-toi, mon petit. Ça va? Tu vas bien? Tu es en pleine forme? Ça va, patron. Impeccable. Ça fait plaisir de vous revoir. Justement. Justement quoi? Ah non, ça va pas recommencer, comme la dernière fois. Tais-toi, ou je vais commettre un homicide. Je te donne un ultimatum hein, pour retrouver ma sacoche et mon argent. Tu as 5 jours pour réussir ta mission. Sinon, assis-toi, là. Tu n'as rien à dire? Non. Comme pour Titi et les autres, tu as quelques jours pour me retrouver l'argent. Et si je refuse? Tu as 5 jours, pas un de plus. Assieds-toi. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vous remercie, patron. Je vais avoir une promotion, j'espère. Un câlin? Non, mais ça va pas. Je vais te donner envie de ne plus avoir envie. Et si je te dis 50, 100 et 130? Commence dans une heure. Salaï, amène Roger où tu sais. Pas de problème, patron. Emma, la belle vie que nous allons avoir. Celle que nous avons toujours rêvé toutes les deux. Jusqu'au dernier billet. Tant qu'il y en aura un, eh ben, on va se régaler, nous ne reviendrons pas. Et nous chercherons. Ah, quelle joie. Ça fait une heure, pas un client, rien du tout. Bon, ça c'est pour le voyage aux Caraïbes. Je pense qu'il en manque un petit peu, encore un petit peu à remettre. Ça c'est pour la voiture de mes rêves que j'ai toujours aimé avoir. Ma 2 chevaux rouges. Ça c'est pour le shopping. Tout ce qu'on va pouvoir s'acheter. Tout ça, une bonne partie. C'est pour toi aussi, Emma, parce que aussi tu dois en avoir tant que moi. Et puis le reste, eh bien, on va s'offrir une magnifique vie. Casino, boîte de nuit et tutti quanti. Mmh.
Jean-Paul, une très très bonne idée pour rembourser l'ordre. On va kidnapper la petite. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Et t'as intérêt de suivre. Hein. Parce que tu ne suis pas. C'est moi qui vais faire ta fête. On y va? Allez, allons-y. Les pieds nickelés m'ont retrouvé? Allez, avance! Mais avance, Tony! Tu connais le chemin! Va t'asseoir! Dépêche-toi! Comment ça, elle connaît le chemin? Et tu... Non, mais là, si! Mais non, Jean-Paul! Tu sais que les proverbes, on peut toujours dire, on peut tenir le chemin, mais elle connaît pas la maison! Oh, pourquoi m'avoir dit un truc comme ça? Va t'asseoir! Les deux précieuses ridicules! Ouais, d'accord, c'est bien ça, ouais! Allez, c'est toi! On discutera après! Jean-Paul, on s'assoit! J'espère que personne ne nous a vus! Parce que là, on va être dans l'embarras du choix! Mais pourquoi m'avez-vous enlevé? T'occupe! T'as pas à discuter! T'es là pour un bon moment! Et tu discutes pas! Est-ce que t'as bien compris? Non, mais y a pas de sourire comme tu me fais là. T'es là pour un moment, puis c'est tout, quoi. Et tu discutes pas. Jean-Paul, on va y faire faire quoi, sa petite? Explique-moi un peu. Tu sais pas? On va y faire faire du ménage. Elle va nous faire le ménage. Ça va te couper. Et nous, on va discuter entre nous. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Tu vas joindre l'utile à l'agréable, poupée. Oui, tocard. Bon, tu sais quoi? Tu vas dire, tu vas faire ce qu'on te dit. Et tu discutes pas. Tu vas faire le ménage, pas un temps. Moi et Jean-Paul, on va y discuter. Et ça te ralente pas. T'as pas à t'occuper, t'es là pour un bon moment. Mais ça me donne la tête. Allez, mec. Salut. Ah, qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi? Jean-Paul, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'espère ne pas croire ce que je vois. Ça te va pas. C'est pas ton problème. Si tu veux vraiment que tu t'occupes de nous, va voir ailleurs Sony avec Jean-Paul. D'accord? Moi, là, c'est moi et Jean-Paul. Et le reste, ça ne va pas. T'as rien vu. J'ai rien vu. T'as rien entendu. D'accord, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que je pense, que vous avez enlevé la petite, vous allez vous prendre 30 ans de ferme si vous vous faites arrêter. Ça te rate pas ce qu'on fait. Va voir ailleurs. Bon vent. Allez, okay. Vas-y. Ok. Hasta luego. À bientôt. Si fais-toi. Fais un café. Va. Fais un café. Ok. Je vais vous faire un café. Jean-Paul. Après cette matinée de folie, un bon cappuccino, ça peut nous faire que du grand bien. Un bon café maison. Mais là, je te dis que c'est cappuccino pour un café. Le cappuccino est fait avec un bon café maison. Bon, on va demander à la petite ce qu'elle va nous faire. Petite, pour moi c'est un bon cappuccino. Et rien d'autre. Tu m'as entendu? Au fait, combien de sucre? Pour moi c'est un. Un seul pour moi aussi. Sinon, il arrive ou quoi? Ou tu fabriques en Russie? Ça arrive, je mets la crème. C'est pas trop tôt, hein? Parce que je commence à avoir soif, moi. Enfin, c'est pas trop tôt le café, les cappuccino. Hein? Ça a commencé à être long, très long. Voilà votre café. Merci.
Jean-Paul, j'espère que c'est du bon cappuccino. Hein. On va voir. Parce que tu sais que moi, le cappuccino, c'est du bon. Du très bon. Pour l'instant, ça mousse. Hein. Ça sent pas. On peut faire confiance ou pas? Beaucoup. Bon, on va goûter. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Bien
Flavie, mais ras la grosse, mon chien, ras la grosse. Surtout, tu dis pas qui je suis. Non, d'accord, aucun problème. Va rendre la grosse. Dégage, on t'a assez vu. Du vent. We are the better seekers. Ouais, c'est ça, on aime bien le sucre. Tenez, ça vous sera d'un grand, grand secours, je pense. Ouais, si vous dites. C'est niveau maternel. Ouais, d'accord. Salut les blaireaux. Les blaireaux, 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 les blaireaux. Tu te rends compte, Jambon? Elle m'a donné une thune maternelle. Eh bien oui. Heureusement qu'elle est partie. Maintenant, on va faire comment? Comme on peut. Et la ration dans la gloire? Eh bien, on se débrouillera comme on pourra, Jean-Paul. Je peux vous prêter de l'argent, j'ai fait des économies. Avec l'argent des commissions. Un taux à 20%. Sur combien de mois? Par jour. Hein? 20%. Tu te rends compte, Jean-Paul? Mais c'est énorme, 20%. Comment on va faire? Eh ben, dis donc. Parce que tu me vois pas que je te fais crédit, j'ai pitié de toi. Jean-Paul, est-ce qu'on a le choix? Ouais, oui. À 20%, t'imagines? Si on le fait, c'est pour rembourser Georges. Au moins, elle n'en parle plus, quoi. Mais bon, t'en penses quoi, toi? Je pense qu'il faut rembourser. On est bien obligés. Si vous ne remboursez pas, tonton Mercouz viendra vous voir. Dans la nuit! On a 10 jours, Jean-Paul. 10 jours. Dans 10 jours, mon collègue, pas plus. On a 10 jours. Eh ouais. Jean-Paul, on n'est pas dans les bons draps. Ils sont un peu inquiétants, Jean-Paul, les enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Mais Jean-Paul, dans tout ça, on a accepté. Mais on ne sait pas s'il y a l'argent dedans. Mais comment on va faire maintenant pour rembourser? On n'est vraiment pas dans les bons draps. Hein. Je vais vérifier parce que c'est vraiment inquiétant, ces enfants. Ah, ça va, c'est courant. C'est vraiment courant. Ça va, c'est courant. On va amener ça tout de suite à Georges. Et au moins, il est tranquille. Et après, on n'est pas si tranquille qu'on le croit. Titi, Jean-Paul, Sylvain, Roger Lenclume et Georges. Non, pas Roger Lenclume. Le chef ordonne que tu sois plus présentable. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne fais pas les choses à moitié. Papa!
Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. Ils vont me le payer. Bon. Maintenant, s'il te plaît, comme ça. C'est bon. Gérard Majax, peut-être. Change-toi. Mets quelque chose de plus discret. Tu vas pas sortir comme ça. Plus discret, j'ai trouvé ça. Ouais. Tu veux que je te dise la vérité? Vaut mieux pas. C'est pas gagné. Enfin, il m'aura tout fait, lui. Allô, oui, c'est Emma, vous savez, la petite infirmière. Oui, bien sûr, oui. Oui, je voulais vous dire, il faut que je vous mette au courant, vous avez un parasite dans votre équipe. Oui, je le sais, vous ne m'apprenez rien. Je m'occupe de lui en ce moment. On parle de la même personne? Roger l'enclume, pardi. Mais non, bien sûr, Titi le tout sec, le biscuit BN. Celui qui a une double couche. Choco-vanille. Titi? Oui, Titi, le petit teigneux, le tout maigre. Pardon? Il a voulu travailler pour mon ex-responsable en chef. Déjà, il était au courant pour les fameuses pâtes. Votre soi-disant chef-d'œuvre. Faites le ménage avant de vous retrouver tout seul, tocard! Et l'infirmière sadique, où est-elle? Elle vous remercie. Non, plutôt, nous vous remercions pour les 500 000 dollars. Tocard. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges? À me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Qui est toujours la même quand personne le bipe. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Picotille. Tire la queue et ça me va. Mon argent. C'est bien de faire partie de la mafia? Ça aide parfois. Quand je pense que cet escroc de Don Salluste ne nous a pas encore payé. Tu les as tués, les losers, toi? Non, je les éradique. Je les émascule. T'énerve pas, ça va s'arranger. C'est pour qui l'appel? Je viens de faire un trou. Un énorme trou. Pour y rentrer à plusieurs. Je commence à comprendre pourquoi je suis ici.
Je vais m'attraper le Don Saluste. Je vais lui montrer, moi, la promotion que j'ai eue grâce à lui. Fumier, va. Fumier. Cuir. Allô Emma, prépare tes valises. On va s'offrir un tour du monde. Un magnifique tour du monde. Allez, je t'embrasse fort et je t'attends. À de suite. Ah ben oui, bien sûr. Je prépare mes bagages tout de suite. Plaisir. C'est ta mamie? Ouais, c'est ma mamie. Elle est dans le médical, tout comme moi. Elle est infirmière zélée et déterminée. Mais ça te prend, mais... J'ai fait un cauchemar. Bon, je vais me rendormir. Ça sera beaucoup mieux. Et il n'y a rien de meilleur qu'une bonne petite sieste. Tu as bien compris, aujourd'hui c'est jour de promotion, pour toi et les clients. Il va falloir être très gentil, tu es à Cogolin ici. Moi qui pensais aller voir Rému, je l'ai vu hier soir à la télé. Toujours aussi sympa le bonhomme. Quel âge il a maintenant ? Devant la fabrique de pipes. Une pipe qui va en faire d'autres. N'est-ce pas formidable ? C'est le prix à payer, Gary. Thank you.